Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tout le monde. Ben écoutez, j'espère que tout le monde va bien en cette nouvelle journée de presque fin de printemps, hein, parce que l'été hein, arrive dans une dizaine de jours. Quand on voit le temps, c'est juste un petit peu flippant, hein, messieurs, dames. Hein, vous avez vu, il a fait un petit peu beau, en tout cas en région parisienne, pour aller voter. Alors depuis, c'est une catastrophe. Depuis, ça ne fait que tomber. On a un soleil un petit peu décent, comme ça, le matin. Et puis, hop, vous vous tournez, vous ramassez quelque chose par terre. Et après, ça devient tout gris. C'est assez impressionnant, la vitesse à laquelle le temps peut passer de très beau à très gris. D'ailleurs, ça fait depuis lundi que ça dure. Hein. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, j'espère que tout le monde va bien. Alors, avant que de commencer, une petite mise au point. Il y a eu énormément de plaintes parce que vous n'entendez pas le cochis, ou pas suffisamment, ou pas du tout, et autres. Sachez, mesdames et messieurs, avec tout l'amour que j'ai pour vous, je vais vous faire une capture d'écran que vous puissiez constater par vous-même, de vos yeux, que je ne mens pas. Et vous allez voir que pour la somme de travail fournie, vous allez voir ce que je reçois de YouTube, déjà dans un premier temps. Il faut savoir que je ne fais jamais d'appel aux dons, je ne demande jamais aucune participation. J'ai d'ailleurs pas du tout la case cochée, faites un don et autres, parce que je connais trop la nature humaine et que je me suis toujours débrouillée toute seule et que toujours dans ma vie j'ai été en parfaite souveraineté. Donc messieurs, dames qui sont très contents, mécontents, impatients parce qu'ils n'ont pas entendu le cochis, laissez-nous le temps de régler tout ça avec mon époux de mari. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Si vous aviez d'une manière ou d'une autre participé hein, par une, comment dire, une cagnotte ou une quête où je vous réclamais un petit peu d'argent pour pouvoir m'acheter du matériel, oui, peut-être là seriez-vous en droit de crier, de dire « Oh mon Dieu, on n'entend pas le cochis, il y en a marre, ceci, cela ». Mais à partir du moment où je ne demande jamais rien, que ce que je gagne sur YouTube est quasi nul et que je fais ça pour votre, avec moi beaucoup de cœur, hein, avec beaucoup de sympathie, de bienveillance, et que ce soit pour vous divertir ou vous informer, soyez un peu plus compatissant, gentil, et puis arrêtez cette exigence, parce que je ne vous demande rien en retour, never, jamais, mais on a le droit de faire des essais, de changer, et Dieu sait que mon mari c'est son travail, et que nous n'arrêtons pas de faire des changements de streamer, de machin, de trucs, mais on fait ce qu'on peut, nous ne sommes pas des bœufs, comme dirait l'autre. Donc soyez un peu plus bienveillants et gentils, et puis pour ceux à qui ça ne plaît pas, eh bien je vous en prie, vous pouvez quitter la chaîne, ce n'est pas l'argent, les vues, les abonnés qui m'animent, ça se saurait. Sinon, vous savez, de par mes prises de position, j'ai été shadowban par YouTube parce que j'ai soutenu Nana de la formation Autrement, et vraiment je mets en avant Alexis Poulain, Idrissa Berkane et d'autres qui, eux, non plus, ne sont pas en odeur de sainteté ADNM hein, et tout ce qui s'ensuit, parce que moi, je m'informe et j'aimerais bien être entendue et rejointe, hein, bien entendu, par d'autres hein, qui font de l'info. Mais évidemment, quand vous avez une chaîne dite de guidance et dont tout le monde se fout, mais tout le monde regarde, on est très moqué, très machin, très décrié, mais tout le monde regarde, hein, c'est marrant ça quand même. Hein. Et bien évidemment, hein, la visibilité n'est pas la même. Donc soyez un peu plus sympathique, parce qu'en toute honnêteté, je ne fais jamais d'appel aux dons. Si vous étiez encore des personnes à qui j'ai dit « Voilà, voilà, il faut que je m'achète un nouvel ordi et autres », je ne critique pas ce qu'ils font, attention. Mais moi, je garde ma souveraineté. Et ouais, soyez un peu plus cool, quoi, parce que c'est vraiment, vraiment pas sympathique. Faut quand même pas déconner non plus. Hein. Donc, et en parlant de souveraineté, hein, en parlant de souveraineté, ceux qui m'ont laissé des commentaires en disant « Oh mon Dieu, tu n'es pas spirituel, tu as remis ta souveraineté pour aller voter ». Mais que de conneries, que de conneries, que de conneries! Ça y est, mais c'est pas possible! Arrêtez, 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 s'il vous plaît. Justement, si j'ai fait vraiment foi et appel à ma spiritualité, parce que en mon âme et conscience, au fond de mon cœur, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de voter pour un Frexit, c'était de voter pour dire non à l'Europe. Force est de constater que les Français n'ont pas compris, encore une fois, ils ont voté hein, pour exprimer leur mécontentement, pour Bardella, chacun fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas, je ne juge pas, et c'est ça la spiritualité pour ceux qui n'ont rien compris, c'est d'une, ne pas juger, et de faire ce que notre cœur nous
dit de faire. Donc gardez vos commentaires, râlez pas crête pour vous, parce que j'ai vraiment d'autres choses à faire. Et si encore une fois ça ne vous plaît pas, allez voir ailleurs si j'y suis. Et puis sachez un truc, tous ceux qui se disent spirituels et qui ne remettent pas leur souveraineté par un vote, vous faites ça pour qui? Pourquoi? Est-ce que vous le faites pour suivre un gourou? Est-ce que vous le faites pour suivre ce que Mathieu Monad a dit lors d'une hypno et tout? Je suis moi-même hypno, hein. Ou quelqu'un d'autre, hein, qui serait ou dans la guidance ou autre chose, hein, d'un parti politique ou autre. Mais est-ce que vous le faites parce que vous le suivez ou vous le faites par totale souveraineté ou pas? Parce qu'on peut débattre très très longtemps là-dessus, je suis psychopraticienne, je vous garantis, je peux vous pousser dans vos retranchements très très facilement. Donc, faites preuve de bon sens. Et n'ayez aucun jugement, vous avez envie de le faire, faites-le, allez voter, vous n'allez pas voter, eh bien faites ce que vous voulez, mais en tout état de cause, la souveraineté ce n'est pas d'obéir à quelqu'un qui vous dit de le faire ou de ne pas le faire, faites ce que vous avez bien envie de faire, et surtout sans jugement, parce que les gens qui se disent des grands, comment ça s'appelle, spirituels, mais qui passent leur temps à dire ce qu'il faut faire ou pas faire ou juger, MDR, what the fuck. Voilà, ça c'était ce que je souhaitais dire maintenant, ça a duré 6 minutes, presque 7. On va passer à la guidance, hein, et puis voir ce que ça nous dit, hein, sur cette dissolution de mon ami Manu. Et encore une fois, force est de constater, je regarde les chiffres, je regarde vos commentaires si moi-même je n'ai pas le temps de commenter, mais sachez un truc, c'est quand même une chaîne qui est là pour... tenter d'éveiller par les cartes ou autres les esprits, les consciences. Mais force est de constater que n'empêche toutes ces personnes qui se disent spirituelles, je fais plus de vues lorsque j'aborde la politique, c'est-à-dire Manu et toute la clique, que lorsque j'avance ou que je prends des choses qui me font vraiment du bien, que je fais des guidances qui sont dirigées vers les galactiques, vers la météo, vers les animaux et autres. J'ai pas de vues là-dessus. Je n'ai que des vues quand ça puduque, c'est-à-dire je n'ai que des vues quand on parle de Manu, de Brigitte et autres. Alors ne venez pas me casser les noisettes avec votre pseudo-spiritualité, sans déconner. Donc voilà, ça c'était quelque chose que j'avais envie de partager avec vous parce que j'en ai marre de lire des conneries. Sachant que je ne suis même pas payée 150€ le mois avec le temps que nous passons sur cette chaîne, mon mari et moi-même. Donc... stop quoi. Et si ce recadrage ne vous plaît pas, encore une fois, avec beaucoup de bienveillance et de justesse, vous faites ce que vous voulez, allez voir ailleurs si j'y suis. Franchement, ça ne me gênera pas. On ne peut pas me tenir par l'argent et autres. C'est pas ce qui m'anime, les gars. C'est pas ce qui m'anime. Et quant à ceux qui sont pas contents pour le cauchy, vous voulez vraiment du cauchy, je vous en prie, prenez un rendez-vous. On va faire de l'hypno, on va faire de la psychopatho, on va utiliser les cauchy, vous allez être tout seul, heureux et vous les entendrez. Mais arrêtez, s'il vous plaît, d'être dans cette impatience, cette malveillance. Enfin, ça suffit, quoi. Qu'est-ce que vous faites, vous, à part juger et crier sur les autres, qui, eux, tentent au mieux de faire du bien aux autres? Encore une fois, je rappelle que je suis un travailleur handicapé, je n'emmerde personne, je ne demande d'argent à personne, mais laissez-nous, les autres, vivre notre kiff. Merde! Ça suffit maintenant, il fallait le dire, c'est dit, je vais passer à autre chose. Mais en tout en été, ça me gave XXL parce que moi aussi j'ai le droit d'être fatiguée, en colère. Et on fait ce qu'on peut, hein, encore une fois. Donc, c'est dit, je ne reviendrai pas dessus. Et puis je vais prendre ma petite guidance du jour. Oui, c'était un petit peu animé, mais faut appeler un chat un chat. Faut quand même pas déconner quand enfin, on fait du mieux que nous pouvons. Voilà, hein, vous dites aux gens, allez voter, soyez souverains, vous êtes une merde. N'allez pas voter, vous êtes une merde. Vous n'entendez pas les cochers, vous êtes une merde. Eh, stop. Voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et encore une fois, si je vous demandais une participation pour acheter du matériel, j'entendrais que vous soyez un peu fâchés. C'est jamais le cas, ça ne sera jamais le cas. Donc, basta. C'est tout, messieurs, dames, c'est tout. Ça n'ira pas plus loin. Donc, allez, pour faire parler encore une fois, et vous pouvez me le dire si vous n'entendez pas les cochis, dites-le gentiment, simplement, on ne les a pas entendus. Et encore une fois, nous changerons, eh bien, je ne sais pas, mais nous ferons de notre mieux. Alors, pour redescendre les énergies, parce que Madame Augure vient de faire sa petite crierie, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais bon, il
fallait le dire, parce que quand même, écoutez, on fait ça avec beaucoup de bienveillance, et se prendre que des sauts de caca, hein. Sachez que YouTube, hein, de manière fréquente, vous recevez, hein, quand vous avez une chaîne, tiens, on vous démonétise, alors les gars, avec 100 balles par mois, allez-y, je vous en prie, rien à foutre, parce que vous avez utilisé telle musique, alors qu'on paye, hein, un truc exprès pour utiliser des musiques sur YouTube, hein. Vous avez la charte, vous avez tout, on est réglo dans tout, mais YouTube, lui, ne l'est pas, donc... Écoutez, messieurs, dames, ça devait être dit. Ça faisait un moment que ça me gavait un peu. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Donc, ça vous plaît, c'est bien. Ça vous plaît pas, aller ailleurs. Point. C'est tout. Enfin, je sais pas, moi, d'être d'une méchanceté sans nom à ce point, d'une impatience pareille, vous faites quoi, vous ? Rien. Donc, taisez-vous. Voilà, messieurs, dames. Alors, comme je vous le disais, on va faire descendre un petit peu ma petite colère. Alors, la petite colère que j'ai... Je vais prendre le cocher du feu. Hein. Vous allez voir, il est là. Hein. Je prends ce cocher. Et j'espère que vous allez l'entendre. Et si vous ne l'entendez pas, vous pouvez le dire gentiment. On regardera. Allez, maintenant, je vais prendre une voix d'hypnothérapeute calme, bien sûr. Pour ceux qui le peuvent, fermer les yeux. Pour ceux qui conduisent, non, pas du tout. Et puis, voilà, vous écoutez ce cocher comme vous le souhaitez, vous regardez cette vidéo, vous la transmettez, vous la poussez. C'est à vous de voir. Jamais, je vous dis, ou c'est très rare, de partager. Et croyez-moi bien, hein, très peu de personnes partagent, hein, mais c'est très juste, c'est pas grave, je m'en fous. Donc, messieurs, dames, petit cocher, alors c'est l'élément feu. Et là, on va tous se poser un peu, et moi, le premier, et puis on va écouter ça. Et maintenant, nous allons utiliser le cocher de l'eau, messieurs, dames. Et après, je ferai les deux. L'eau et le feu, c'est-à-dire la dualité, celle qui m'a un petit peu animée dans cette colère, parce que je me devais de remettre les choses en place. C'est parti avec l'eau, messieurs, dames. Non, c'est la terre. Oh, sorry, mais confuse, hein. Eh oui, hein. Il faisait du soleil tout à l'heure, maintenant il fait complètement noir dans ce bureau, donc voilà. Et à présent, parce que je suis une très 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 gentille fille, eh bien, je vous fais les deux et vous allez juste vous poser, fermer les yeux, écouter et laisser monter vos émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit de la colère, de la joie, du bonheur, des larmes. Laissez monter vos émotions, ne les jugez pas, vivez-les en toute spiritualité. MDR pour ceux qui disent que de la merde. Allez, c'est parti, monsieur, dame. Et voilà, messieurs, dames, donc, petit moment qui fait retomber. Hein. Certains me disent à quoi sert le cocher ? À détendre, à ressentir, et puis, encore une fois, aller creuser au fond de vous, et vous verrez bien, et vous verrez bien. Moi, en tout cas, il me détend beaucoup. Les vibrations de la fin, ce son qui continue, hein, bien sûr, parce que moi, quand je le mets, quand je l'écoute moi-même, ou que j'utilise en hypno, vraiment, on fait ça à côté, hein, des oreilles, et doucement, et il y a vraiment...
Merci le coq, hein, vous entendez les coqs. Et il y a vraiment, oui, il y a quelque chose en plus à la fin et c'est très 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 agréable. Donc voilà, déjà, hein, c'est pas si, c'est déjà une bonne chose de se faire du bien, messieurs dames, vous en conviendrez. Bien, allez, c'est parti, messieurs dames. Voilà, tiens, j'ai décidé, hein, voilà, je l'ai sorti, il y avait longtemps que je l'avais pas sorti, celui-là. Donc, le voilà qui est sorti pour vous. Et puis, mesdames et messieurs, excusez-moi, j'étais un peu loin de mon micro, toutes mes confuses, sorry, parce que je poussais des plantes avant que ce soit mon chat qui les fasse tomber par terre. Donc, écoutez, on va aller voir du côté de chez Lastico 0.0, hein, vous avez vu cette dissolution? Alors écoutez, hein, vous le savez, je regarde beaucoup Alexis Poulain, je regarde Idriss Aberkane, tout le débunkage qui a été fait sur cette dissolution d'assemblée, etc. Bien entendu que j'adhère à tout ce qu'il a été dit, parce que depuis le début, que ce soit le débat entre Attal et Bardella, on a bien vu qu'ils disaient les mêmes choses quelque part, c'était bonnet blanc, blanc, blonnet. Et puis là, tout a été fait pour mettre en avant, évidemment, tout a été fait pour mettre en avant le RN et donc Bardella, bien sûr, parce que ça a été un vote d'opposition contre Manu et son parti. Ce que les Français n'ont pas compris, c'est qu'on était en train de voter pour l'Europe et pas contre Manu. C'est ça l'histoire, c'est ça le problème. Donc, et de voter Bardella, bah, chacun fait bien ce qu'il veut, ça m'est égal. Mais c'était pas l'objet, c'était pas. Il y a eu encore un putain de hors-sujet. Je suis désolée pour le putain, il est sorti tout seul. Il y a eu encore une fois un hors-sujet. Vous avez, tout le monde a le droit de s'exprimer. Moi, la première, je suis allée, vous savez pour qui j'ai voté? Là aussi, j'ai été signalée parce que j'ai voté Philippot. Mais MDR, jamais je me suis tue et je le ferai jamais. Je fais partie de ces gens qui se positionnent. Donc, mais vous conviendrez que les seuls qui étaient là pour ce Frexit, pour dire non à cette Europe dégueulasse, étaient Asselineau et Philippot. 1%, les gars. Les chacun d'eux ont fait 1%. Ce qui est parfaitement impossible. Ce qui est parfaitement impossible au vu de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, au vu de tous ces gens qui suivent et Philippot et Asselineau, ce n'est pas possible. Bien entendu, encore une fois, on va pas se mentir, moi j'y vais parce que je sens que je dois le faire, mais bah là on a de l'escroquerie à tous les étages, tout était planifié, bien entendu. Mais il y a un truc qui est sûr, pour voter, ce qui serait mais parfait, de chez parfait, et ça je l'évoquais avec mon fiston ce matin. Soit on y va tous, soit personne n'y va. Et vraiment, le truc le plus intelligent que nous aurions tous à faire, c'est de ne pas y aller du tout. C'est-à-dire que chaque Français inscrit n'aille pas voter. Mais ça serait quelque chose d'extrêmement incroyable. Ce serait le truc le plus génial de la Terre. Parce que moi, aux prochaines élections qu'il a mis en place, MDR en 3 semaines, je vous garantis, j'y vais pas. Hein. Moi, je vote pas entre la peste et le choléra. Pas du tout. Donc, il est bien évident que je ne voterai ni pour la peste, ni pour le choléra. Là, j'avais et besoin d'exprimer mon opposition à cette Europe, mais là, on ne parle plus de ça. Les prochaines élections, ça sera tout à fait autre chose. Hein. Soyez conscients que là, on est en train de jouer un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre. Une grosse, mais arnaque. C'était déjà décidé depuis très très longtemps. Manu, lui, de toute façon, a perdu les pédales. Il est très dangereux, hein, comme je l'indiquais lors du dernier live. Mais chacun fait comme il le souhaite. En tout cas, j'ai exprimé mon opposition. Mais les prochaines élections pour voter la peste et le choléra, fuck, what the fuck, je n'irai pas. Parce que je suis en total désaccord avec ça. Donc, voilà, dans un premier temps. Et puis, on va regarder hein, ce que ça nous dit les cartes à propos de cette dissolution. C'est du foutage de gueule, messieurs, dames. Et en plus de ça, juste avant les JO, etc., etc., j'aimerais hein, me joindre au collectif Allons chier dans la Seine le 23 juin pour oui, c'est ça, pour les JO. Ça me plaît beaucoup. Sauf que le 23 juin, c'est ma date d'anniversaire de mariage. Je crois pas qu'aller faire un petit popo dans la Seine, c'est ce que l'on fera. Alors, pour ceux qui trouvent beaucoup de vulgarité, c'est le collectif hein, qui s'appelle comme ça. Alors, je sais que j'ai un langage assez fleuri, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, celle-ci. Hein. Donc, voilà, vous avez vu Manu. Tout ça n'est que connerie hein, aujourd'hui, de toute façon.
tout était joué d'avance, certes, mais un peu comme l'Eurovision, je me suis dit, je vais y aller, on ne sait jamais. Moi, je suis quelqu'un qui croit jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je croirai. Jusqu'au bout, j'aurai confiance. Et ben, ça continue, les gars, c'est ce qu'on va faire. Et puis, on va faire un petit tirage pour voir ce que ça nous dit. Au moment où je vous parle, hein, nous sommes le 11 du 6. Voilà, nous sommes le 11 du 6. C'est une date presque anniversaire, puisque moi, ça fait un an pile poil. Enfin, c'était hier que je suis hypnothérapeute diplômée. Donc, il faisait soleil radieux ce matin, vraiment. Jusqu'à à peu près 11h30. Après, ça, c'était soleil, c'était pluie. C'était soleil, c'était gris. Alors maintenant, c'est des cordes, comme hier, même heure. Même endroit. Incroyable cet été, vous ne trouvez pas? Allez, on y va. Alors, les petites cartes qui font du bien, par où ça passe, messieurs, dames. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, que vais-je? Mais maintenant, que vais-je prendre? Eh bien, je vais prendre la lunologie. Je trouve qu'il est vraiment sympatoche. Attendez, j'essaye de le prendre tranquillement. Voilà, sans le faire tomber. Je l'aime bien ce petit truc de la lunologie. Oui, les messages des Atlantes également. Que puis-je prendre? Excusez-moi. Excusez-moi encore et encore. Hein. Allez, tiens, les licornes, j'aime beaucoup aussi ça. Voilà. Oh, mais j'arrive même pas à le prendre, quoi. Non, mais allô! Allô, messieurs, dames, juste une minute, je vais mettre un peu de lumière parce que franchement dans mon bureau là c'est it is not possible, même si vous ça se voit pas. Voilà. Là for me it's okay for me. Donc ça et puis peut-être un petit message de l'âme aussi parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien encore une fois. Bon bah la vidéo sera un peu longue, hein. Y aura aussi une capture d'écran, vous le verrez, hein, ce dont je vous parlais concernant mes revenus YouTube. Donc voilà, en toute transparence, messieurs, dames, vraiment. C'est parti. Donc, on y va. Ça sera un peu long, hein, si vous le regardez en plusieurs fois, ou bien en replay et autres. À vous de voir, bien entendu, messieurs, dames. Hein, bien sûr, of course. Donc, petit message de l'âme, ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi? Qu'est-ce que ça dit? Voilà, voilà, voilà. Alors, en plus, en dos de deck, on nous dit quand même, ose créer ton propre chemin de vie indépendamment des autres. C'est tout, point. Voilà, c'est tout, voilà. Voilà, c'est-à-dire, tu fais ce que tu veux, fais ce qui t'anime. Et peace out too. Donc, on y va encore pour cette petite carte de la lunologie, de la lune, lunologie. Il y en a deux. Ouh là là, très très intéressant ces cartes-là, parce que nous sommes en plein dedans, hein, vraiment. Déjà, dos de deck également, ça nous dit « croyez en l'impossible », avec cette lune bleue, « croyez en l'impossible ». Ça, oui, oui. Et moi, je vous dis, j'ai confiance, toujours. Et puis maintenant, l'oracle des licornes « Magic ». Magic. Ah oui, non, il y a des petites chansons. Aujourd'hui, ça a été toute la journée, hein, je vous le dis. Toute la journée. All the day. Ok. En dos de deck, je vais quand même vous le lire, hein, même s'il y a un petit peu de lecture, et puis on passera, bien sûr, hein, bien sûr, on va voir si ces cartes se parlent entre elles. On passera évidemment. C'est marrant, ça. Pleine lune Capricorne. Je suis Capricorne. Donc, ici, nous avons la fin d'un cycle difficile approche. Merci Seigneur, nous n'en pouvons plus. Hein. Avec cette pleine lune en Capricorne, on nous dit quand même que la fin d'un cycle difficile approche. Tu m'étonnes. Maintenez votre cap. Maintenez votre cap. Restez droit. Mettez en place ce que vous souhaitez mettre en place. Vraiment, vraiment, on est sur une fin de cycle. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne peut pas échapper à ce merdier. Donc, gardons notre cap. Hein. Tiens bon la barre, tiens bon le... Il sait, Santillano. Et voilà, pour ceux qui n'aiment pas les chansons, ciao, ciao. Donc, on nous dit également...
Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Aie confiance en elle. Et c'est exactement ce que j'ai fait dimanche pour aller voter. Puis, cette petite carte nous dit « Dans mon cœur se trouvent mes plus beaux rêves. Dans ma vie, ce que je crois possible. » Voilà. Dans ton cœur, tu as des rêves, mais Dans mon cœur, excusez-moi, je recommence. I recommence. Dans mon cœur se trouvent les plus beaux rêves et puis dans ma vie, ce que je crois possible. Donc n'hésitez pas, mettez en place tous vos rêves si vous le souhaitez. Hey, faites-vous confiance et surtout, faites confiance à votre âme. Et le fait de ne pas vivre pleinement mon ici, maintenant sur terre, est mon seul et unique péché, car à ma mort, j'emporterai avec moi mes regrets. Donc, allez-y, vivez ici et maintenant, pleinement, pour ne pas avoir de regrets le moment du dernier jour. Donc, éclatez-vous, je le dis à chaque fois, éclatez-vous. C'est souvent qu'on me dit, mais quelle est donc ma mission de vie? Ta mission de vie, selon moi et selon mes valeurs, c'est d'être heureux. Trouve le bonheur. On ne te demande pas d'être Zorro, d'être Tarzan, d'être le sauveur, d'être qui que. Sois joyeux, sois bien avec les tiens. Et puis ça déjà, pour moi, j'estime que c'est mission réussie. Donc voilà mon état d'esprit. Chacun a le sien et tout est parfaitement juste et cohérent. Voilà, messieurs, dames, pour les petites cartoons qui font du bien par où ça passe. En tout cas, moi, je les trouve excellentes, ces cartes, bien entendu. Et c'est parti, et c'est parti, Manu est chaud. Alors ça, oui, pour être chaud, il est chaud, Manu. Hein. Donc on va regarder, Manu. Hein. J'ai regardé, hein, vous savez, hein, j'ai ma chaîne, ce qui fait le plus de cartons, le plus de vues, hein, c'est lorsqu'on parle de Brigitte, de Manu et tout ce merdier. Hein. Dès que je parle galactique, météo, animaux, je ne sais pas moi, la sagesse, le truc de Jésus, de... Tout le monde s'en fout, hein. Mais c'est juste aussi, c'est comme ça, c'est une époque que nous devons vivre. Bien, j'ai ici hein, l'obsidienne œil céleste, hein. Et on le voit là, je ne sais pas si vous le verrez, si on le voit, regardez. Là je le garde, hein, du coup, merci ma Marie-Laure, hein, bien sûr, bien entendu. Marie-Laure c'est la petite dame que vous voyez, Laure te met live et qui nous parle des cristaux. Vous le voyez là, hop, là je pense que vous le voyez. Il y a un œil au milieu qui est... Voilà. Voilà, messieurs, dames. Donc, l'obsidienne est ici. C'est pareil. Une petite protection n'est pas de refus. Ça nous dit quoi pour Trouduc premier, hein, qui a décidé la dissolution. Le gars est complètement en roue libre, hein, messieurs, dames. On est bien d'accord. Il est en roue libre XXL. Je ferai peut-être un petit tour sur Atal après parce qu'il est totalement... Où es-tu, Atal? Parce qu'on ne sait pas, on pourrait te chanter une chanson. Hein. Mais est-ce que vous entendez tous ces auteurs en plus? Et puis Valérie Ayé qui fait 15%. Mon Seigneur Dieu, c'est insupportable. Je ne peux pas croire une chose pareille. Eh oui, hein. Quoi que j'ai vu, excusez-moi hein, pour ceux qui vont encore mal le prendre et ne prenez pas ça de manière personnelle, encore une fois. Mais moi, les petits vieux qui étaient à côté de moi au truc de vote, force est de constater que c'était ailleurs ou Bardella. Hein. Eh ben oui, hein. Donc voilà, c'est tout. Je dis pas que c'est la totalité des personnes, des boomers et autres. Hein. Ouf, parce que, ouh là là. Alors, Manu. Qu'est-ce que tu nous dis par rapport... Ça nous dit quoi par rapport à cette dissolution de l'Assemblée... Hein. Voilà, écoutez, tout est organisé. Hein, faut pas rêver non plus. Hein. Regardez ces cartes qui sont tombées. Agissez en paix. Hein. Voilà. C'est tout. Allez, soyez dans la paix, point. Agissez, c'est tout. Aïe. C'est tout. Il y a un truc, moi, que... ma souveraineté, ma liberté, je vous garantis, c'est ce que j'ai le plus cher. Donc...
Où es-tu, Manu, Manu Reva? Où es-tu, Gabi, Gabi Attal? Portée disparue, Gabi Attal. Eh oui. Ah là là. Bateau fantôme, y'a Manu à bord. Bon, allez, j'arrête avec la chanson. Puis on repart. Part dans les cartes. Oh, jalousie. Vous voyez là, donc en dos de deck, nous avons ici la jalousie. Autant vous dire que ça joue serré, hein, concernant Manu, hein, ça joue serré. Lors du dernier live, hein, où nous étions ensemble, hein, on parlait un peu d'actu, et c'est vrai que c'est court, hein, pour évoquer l'actu, bien sûr, puis d'autres le font largement mieux que moi. On voyait que le gars était incontrôlable, il est total, mais rien ne va plus, messieurs, dames, hein, chez Manu. Il est total, incontrôlable. Mais il y a des jeux de pouvoir, hein, il y a des jeux de pouvoir, il y a des gens là, ils sont tristes, hein, vous avez vu tout ce qu'ils ont donné pour Manu, puis il leur dit allez, allez bien vous faire foutre, les gars, je n'ai plus besoin de vous. Allez, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Donc, pour certains, ça va faire du bien de purvoir leur tronche, on va pas se mentir. Mais imaginez la trahison entre eux, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, les jalousies, c'est très exacerbé. Donc, regrets, donc les regrets. On continue. C'est quoi cette histoire? La paix. Et puis là, nous avons la foi. Donc voilà, hein, la paix et la foi, ça va être important, hein, messieurs, dames. Hein, la paix, la foi, d'avoir confiance, hein, de ne pas avoir de regrets non plus. C'est it's muy importante. Donc, je continue. Je continue. L'amour. Alors, ça parle carrément pas du plan de Manu. Hein. Ils s'en foutent, mais high level. Hein, on s'en fout de partout. Ayez la foi. Hein. Ayez la foi. On nous appelle à être dans l'amour, dans la paix, dans la foi, parce que le combat est là quand même. Hein. D'accord? Le combat est là. Restons. N'ayez aucun regret. Hein, de toute façon, ce qui est fait, de toute façon. C'est comme ça. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Il y a ce combat qui est là. Restez dans l'amour, hein. Restez dans fidèle à votre propre nature. Hein. C'est ce que ça nous dit pour l'instant. C'est comme si les cartes nous disaient de toute façon, il va falloir retrouver un équilibre, notre vraie nature, etc. Il y a ce combat qui est là. Il y a ce combat. Donc, c'est la seule carte négative. Hein. C'est la seule carte négative par rapport à tout ça parce que on nous dit c'est comme ça. On ne peut point y échapper, c'est tout. Et qu'est-ce que ça nous apprend, hormis le fait que ça ne nous dit pas en quoi consiste évidemment cette dissolution, ça nous dit quoi qu'il en soit, nous sommes dans un combat. C'est vraiment l'unique carte qui nous dit c'est un combat. Gardez la foi, soyez fidèle en amitié, soyez fidèle à votre propre nature, soyez dans l'amour, dans l'équilibre, n'ayez aucun regret de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Bien, c'est tout. Et ça, c'est vraiment un message hein, qu'on nous donne, bien au-delà du « ça cache quoi cette histoire de dissolution etc. Hein, » de toute façon, regardez, tout est malade, ce monde est malade, ce monde est malade. J'en ai un peu marre de sortir la maladie, j'espère qu'ils ne sont pas en train de mettre en place une belle petite saloperie. Voyez, hein, trouvez des alliés, voilà, trouvez des alliés. Soyez unis. Par contre, Manu, c'est ce qu'il fait. Là, il est malade, le gars, hein, on va pas se mentir. Il se cherche des alliés. Hein, il se cherche des alliés parce qu'il y en a certains, il hein, y en a certains qui éprouvent beaucoup de regrets parce qu'ils l'ont suivi. Dans toutes ces folies, c'est-à-dire le Covid et autres, mais il y en a beaucoup qui s'en prennent plein la tronche. Pour certains, ils avaient la folie d'y croire, hein, et puis ils y croyaient, ils avaient confiance, mais là, non, là on est parti sur toute autre chose, de toute façon, c'est comme si... mais c'est marrant de voir que pour certains, c'était une totale « Oh, Manu, grand gourou, Manu, je t'aime, Manu, c'est toi !» Enfin, pour certains, on leur dit « Bah vas-y, prends du recul, et puis pour nous, on nous dit « Ayez la foi !» Croyez-en, croyez, et gardez votre foi, méditez, prenez du recul et amusez-vous, trouvez des alliés. De toute façon, cette société est malade, et lui aussi d'ailleurs, hein, il est malade. Soyez dans l'amour, et lui,
n'est plus dans l'amour. Manu est malade, il est dans son aveuglement. Ne soyez pas vous dans votre aveuglement. À la limite, si, que l'aveuglement de l'amour. Mais enfin, ça, on est des êtres humains, hein. On ne s'appelle pas Saint Mathieu, Saint Jésus, Saint je ne sais pas quoi, vous voyez. Bon, je sais c'est très bien, Saint Jésus n'existe pas, hein, bien sûr. Mais on reste des êtres humains, donc d'être aveuglé uniquement par l'amour, bah oui, ce serait beau, hein. Mais ce garçon est malade. Il y a très longtemps que lui, l'amour... Il est aveuglé par toute autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le gars est dangereux. Le gars est dangereux. Hein, le gars est dangereux. Donc, là, il réfléchit. Hein, je pense réellement hein, qu'il est capable de rebondir sur n'importe quoi. Parce qu'il est aveuglé par son pouvoir. Il est aveuglé par son combat. Il veut être le saut. Enfin, il veut être le plus grand. Il veut qu'on parle de lui jusqu'à la fin des temps. Vous voyez, jusqu'à... le gars est totalement givré, quoi. Mais complètement. Et il est dans son truc absolu. Il se prend pour Dieu, gars. C'est ça l'histoire, c'est que le gars se prend pour Dieu. Donc évidemment que c'est un plan, mais lui, il est hors terre. Il a quitté, hein. Il a quitté la terre, il a quitté vraiment, vraiment. Donc c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Vous savez ce qu'il fait lui, ben, il est en train de répondre à ce qu'on lui dit, hein, tout simplement. Donc on nous disait qu'il aurait fallu peut-être cesser d'être aveuglé et d'aller chercher, hein, d'aller lire, d'aller comprendre. Encore une fois, selon mes valeurs, trahison, voilà, c'est tout, hein. On est en train de venir hein, pile poil hein, dans le dur. Après, je vais prendre le souffle de la night, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup hein, ce jeu de cartes actuellement. Je suis pas sûre d'aimer ce visuel, mais j'aime beaucoup les cartes. Mais n'empêche qu'on nous dit que, évidemment qu'on s'est fait trahir, mais il fallait un petit peu aller creuser au-delà, il fallait aller chercher. Le débat Attal-Bardella était... Tout était dit. C'était... Il prêchait pour la même paroisse. Donc, en toute honnêteté, il y aura d'autres trahisons. Cette histoire de dissolution de l'Assemblée... mais c'est de la merde. C'est encore une fois une autre trahison. Hein, on reste confiant, mais vous inquiétez pas, il fait toujours preuve de beaucoup d'imagination, et s'il doit trouver d'autres alliés pour trahir, ce n'est pas un problème pour lui. Il est dans la maladie, il est dans son aveuglement, et il y va en toute confiance, mais il est sûr de lui, il est devenu fou le gars, point, il est devenu fou. Mais faites attention, parce que là, on nous parle de trahison. Et on nous dit les réponses, mais vous les avez déjà, les réponses. Bien entendu qu'on savait qu'il y aurait encore de la manipulation. Mais moi, je crois jusqu'au bout. Bien sûr qu'on sait. On le sait qu'il y a de la trahison à venir. Enfin, voilà, hein. Voilà, vous avez déjà la réponse. Et ben c'est quoi? Vous avez la réponse, c'est la souffrance. Je dis, moi, et encore une fois, on doute dès qu'on a cette jalousie. Donc, avec un jeu qui est juste, hein, qui n'est ni dans un côté cuicui les petits oiseaux ou hyper dark, hein, comme ça peut être le cas des jeux très sympas, comme, mais avec une polarité très pure, très belle, vous voyez, un petit peu comme l'oracle de Jenna Blessom ou les oracles de Dorine Virtue et autres. Celui-ci est dans une polarité ni douce ni... Enfin voilà, il est juste selon moi entre les deux. Ben, là on commence à attaquer le dur, hein. On nous dit de toute façon il y a de la trahison, c'est de la trahison cette espèce de dissolution de l'assemblée. Donc méfions-nous, hein, méfions-nous, le gars est malade, il n'a plus de discernement. Même les pays voisins se disent oh, oh putain, mais est-ce qu'il est normal ce gars ou pas? Il est en roue libre, il est en roue libre, point, ça va pas plus loin que ça. En tout cas, la réponse à cette question, qu'est-ce que c'est? C'est de la trahison. Là, on va prendre d'autres cartes ici, puis on va poser la question. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, cette dissolution? Parce que je suis déjà à une vidéo de 38 minutes, hein? Étonnant. C'est étonnant. Je pensais qu'elle était beaucoup plus longue que ça, déjà. Comme j'ai poussé ma petite... un petit recadrage. Pas méchant. Voilà. Et je vais prendre ombre et lumière également parce que bon, je dois le prendre, c'est ainsi. Alors, deux là. Qu'est-ce que nous dit, alors, qu'est-ce que cache cette dissolution? Qu'est-ce que cache? Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce qu'il est enfin, il écoute son,
son peuple. Ça vous parle cette chanson, cette phrase? Par le peuple, pour le peuple, parce que ça, il y a bien longtemps que ça n'existe plus. Eh bien, par le peuple et pour le peuple, c'est ce que moi, je voulais faire dimanche. Sans jugement pour ceux qui ne l'ont pas fait, vraiment. Chacun fait son kiff. Voilà. Allez, on y va. Voilà. C'est quoi cette histoire de dissolution? Manu veut dissoudre. Hein, Manu veut dissoudre. Voilà. Direct. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que on n'est pas prêt. Hein, on n'est pas prêt parce que là, cette histoire de dissolution de l'Assemblée nationale, ce n'est que de la partie visible de l'iceberg. Regardez toute la merde qui attend en dessous. Le plus gros bout est ici. Donc, tout ça n'est qu'une vaste farce, messieurs, dames. Ça commence fort fort. Hein, c'est que la partie... Oh, regardez comme c'est joli, tous ces rituels, toutes ces choses. Enfin, c'est pas très très beau tout ça. Nous sommes bien d'accord, hein, les rituels. Alors, bien entendu que ça évoque des rituels, nous sommes bien d'accord. De toute façon, ça c'est une certitude. Mais ça n'évoque pas que ça, hein, ça n'évoque pas que ce genre de choses. Hein. Attendez, je vais juste vous dire. Bon, c'est de la magie, de toute façon. C'est quelque chose il faut faire attention. Il faut faire attention. De toute façon, c'était planifié. C'est quelque chose qui se met en route. Et c'est pas quelque chose de très lumineux. Hein. En voir, tout est noir. Hein, tout est noir. Donc, soyons parfaitement méfiants. En tout cas, c'est vrai qu'ils utilisent ce genre d'énergie noire. Merci à toi hein, d'être ici, voilà. Mais, comment dire, mais vous voyez bien que ça part pas d'une belle intention. Ça part pas de ça. Hein. Non, pas du tout. Et la seule chose, c'est qu'une histoire de thunes. C'est qu'une histoire d'argent, c'est qu'une histoire d'abondance. Il ne fait pas ça pour nous, bien entendu. Hein, tout est monétisé, tout est argent et rien d'autre. Voilà. La seule chose qui anime cet homme aujourd'hui, c'est l'abondance. T'es la thune, point. Voyez, hein, de son palais, de l'Alizé, hein, lui, il veut la garder en plus, hein, la place. Mais il a quand même les fouettes, hein, il a peur. Donc, on nous dit que, quelque part, il joue sa vie, enfin... Ça, c'est sorti tout seul, en fait. Il joue sa partie. Hein, peut-être se barrer pour mieux revenir après. Et puis, y rester toute sa life dans ce château, hein, bien, bien, bien comme il faut, au-dessus. Mais attention au piège. Attention au piège. Et puis, attention, hein, ça prend l'eau quand même. Donc, quand vous avez l'eau comme ça, il y a de la tempête. Bon, on va se prendre encore de la flotte. Hein, c'est pas terminé. Je me demande si on va avoir un été, hein, très sincèrement. Mais tout ça, c'est pas pérenne. Hein, ça risque de tourner au vinaigre. En tout cas, tourner à l'eau. Mais cette histoire, on voit bien que c'est pas quelque chose qui est très très propre, très très net. Hein. Il y a cette notion de pseudo-nettoyage aussi. Hein. Il y a des débats, il y a des querelles. Ça va être compliqué. Hein. Il va y avoir du remous. Hein. Il va y avoir de la contestation. Attendons-nous à quelque chose de pas terrible. Hein. Attendons-nous quelque part de quelque chose pas top. Parce que là, vraiment, au vu des cartes, on ne peut pas dire que ce soit très très fun. Donc, à la question, qu'est-ce que ça cache? Ben, ça cache pas, ça n'augure, sans jeu de mots, rien de très 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 positif. Hein. Rien de très positif, hein, cette histoire. Hein. On va recouvrir une petite fois. Mais, voilà quoi, qu'est-ce que je vous dise, moi? Qu'est-ce que je vous dise? Même avec ce jeu hein, du souffle de la nuit, de cet oracle russe que j'aime beaucoup, hein, comment dire, si ça devait être lumineux, ça le serait, hein, mais là, on voit que tout ce qui est... Voilà. Oh. Voilà, 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 voilà. Vous voyez, hein, la face cachée de l'iceberg, les ténèbres, c'est marrant, hein, shadow, les ténèbres et tout ce qui s'ensuit, ce côté dark, on peut comprendre qu'il agit pour ces gens-là, qu'il est devenu comme ça, qu'il est peut-être même lui-même ce genre de personnage qui est ici. En tout cas, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Autant vous dire que ce n'est pas très très propre ce qui se passe derrière cette dissolution. Donc, hop, hein, et puis ça concerne vraiment le peuple. Hein, là, bon, là, franchement, on voit bien qu'ils utilisent des énergies un petit peu dégueu. Il va y avoir de l'émotionnel, mais bon, c'est fait pour déstabiliser. Regardez ça, enfin... Pff. On voit quand même qu'on est gentil, hein. Les 12 agneaux, hein, c'est tout ce qu'ils attendaient. Hein. On voit quand même que le peuple français sort comme un agneau, très gentil, très sympathique.
On a quand même le peuple de la Révolution française, c'est vrai que ça pose question tout de même, hein, tout de même. Mais bon, la seule recherche, hein, c'est l'argent, hein, c'est l'argent, uniquement l'argent. Bon, bah là, il y a un monsieur qui est très très vieux aussi, qui doit certainement donner les ordres à Manu, voyez-vous, hein, c'était pas un jeunet, hein. Bon, c'est sympa, alors ça peut être également quelque chose de bien plus positif, hein, parce que regardez, il y a un petit papillon là-dessus, puis il ressemble un petit peu, bon. Mais on est accompagné malgré tout, même si ce n'est que par ce petit papillon, parce que là, les émotions, des machins, oh, l'effet boomerang en pleine tronche. J'ai envie de vous dire, on a les gouvernants qu'on mérite, hein. Là, on manifestement, bah dommage, hein, pour ceux qui avaient compris qu'on jouait vraiment. Bon, c'est con, on n'était pas beaucoup, hein, mais manifestement, les européennes, il n'y a pas grand monde qui a compris qu'on jouait notre souveraineté et le refus. Non, non, on a voté par Della, donc on a, hein, les... Je me mets pas dedans, hein, moi je pars voter vers Della. Hein. Mais on a, hein, les dirigeants que l'on mérite. Hein. Il va y avoir un effet boomerang qu'on va se prendre en pleine tronche, messieurs, dames, nous, les 12 agneaux que nous sommes, et dont ils se moquent, et dont ils usent ce genre d'énergie sur nous aussi. Le retour du boomerang va piquer, hein, parce que tout ça n'est qu'une vaste farce. Donc autant vous dire que voilà, hein, l'homme qui est là, qui est à l'Elysée, qui se prend pour... Écoutez, pour une belle personne, c'est chaud, quoi. C'est très, très chaud. Hein. C'est triste à voir, même. Hein. C'est triste à voir. Je vais prendre maintenant... Je vais prendre maintenant ombre et lumière. Alors, excusez-moi, parce que je viens de voir que je l'avais mélangé avec... C'est particulier, ça. Ça me ressemble peu, d'ailleurs. Je l'ai mélangé... C'est marrant. Avec, messieurs, dames... Avec, comment s'appelle-t-il, le Divinactu? Le Divinactu, c'est fou ça. Et je l'ai vu en plus. Incroyable! Allez, je vais finir avec ça. Donc voilà. Ce qui met un petit doute, hein, ça reste qu'un art divinatoire à l'instar, hein, de la médecine, comme je dis souvent. Hein. On ne fait que traduire, hein, selon les cartes sorties, la médecine traduire des symptômes, ça ne reste qu'un art divinatoire, je ne suis pas Dieu, merci Seigneur, hein, j'aime à le dire, ça souvent, n'empêche, ça reste un bel étayage, et on voit bien que c'est du foutage de gueule, cette dissolution, que tout était couru d'avance, nous ne voyons que la partie immergée de la... non, qui est sortie, submergée, enfin bon bref, que la partie visible de l'iceberg, mais regardez tout le merdier qui est en dessous, quoi. Et c'est noir, hein, c'est pas propre. Hein. Donc tout était joué d'avance. Par contre, il y a un effet boomerang, alors va-t-il être pour nous? Parce qu'encore une fois, on a les dirigeants que l'on mérite, hein. Mais et vraiment, vraiment, c'est triste pour ceux qui... Bon bref, mais n'empêche que le boomerang, est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pour eux? Il se peut que ce soit pour les deux d'ailleurs. Mais n'empêche que, on va voir ce que ça dit. On a été vraiment de gentils agneaux, hein. Des très gentils agneaux. Alors tout est fait, hein, pour que les gens soient des agneaux, hein, une certaine picouse, des choses qui sont mises dans l'eau et depuis des décennies. Donc oui, effectivement, on a agi, nous le peuple, comme de gentils agneaux, c'est ce qu'ils attendaient. Hein, c'est ce qu'ils attendaient. Bon, le retour du boomerang va certainement piquer un petit peu. Hein. Ah ouais, qu'est-ce que je vous dis? Et alors, ceux qui ne sont pas d'accord... Oh là! Il est mort, hein, il est mort, Manu. Hein, c'est terrible. Hein, regardez ce qui est tombé là-dessus. Hein. C'est... Ça finit toujours comme ça, de toute façon. Ça finit. On se demande comment ça se fait, d'ailleurs, que ce ne soit pas le cas encore. Mais c'est la première fois que là, je l'ai vu parler, que j'ai eu un doute. Quant à son identité, je me suis dit, oula, c'est bien lui ou pas, ça? C'est la première fois que ça me le fait, vraiment. Mais... ces hommes ont vraiment, vraiment des morts sur la conscience, hein, je vous le dis. Hein. Alors, regardez ça, hein. Regardez comme la démocratie est gouvernée par le dark absolu. Hein. Ces histoires de démocratie MDR, il n'y a que la partie visible de l'iceberg. Hein. Franchement, voilà qui gouverne la démocratie. L'ombre, pour l'instant, tout ça n'est qu'un jeu d'ombre, messieurs, dames. On n'est pas sorti du le cul des ronces, hein, quand même. Hein. Je vous le dis, c'est pas simple. Hein. En tout cas, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Oh, ben j'en mets une autre, tant pis. Parce que la prochaine fois, la Chine, la Russie, c'est toujours les fautifs, évidemment, mais...
Tout était orchestré. Tout était orchestré. À nous de reprendre le pouvoir. Hein. Force est de constater que ce sont les femmes hein, qui vont changer beaucoup de choses. Hein. Ce monde d'hommes est en train de s'écrouler. C'est en train de vraiment, vraiment, vraiment se casser la figure. Je pense que nous les femmes, on va reprendre un petit peu. Hein. Ouais, c'est clair. En tout cas, aux commandes, aujourd'hui, ce sont les femmes. Que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, hein, attention. Mais aujourd'hui, qui se trouve aux manettes ? Des femmes de pouvoir. Des femmes. Parlons peu, parlons bien. Assalamu alaikum tout le monde. J'adore cette chaîne. Maintenant, bah, s'il y a une chaîne qui aujourd'hui, moi, je trouve vraiment excellente, c'est bien celle-ci. Avec Alexis Poulain. J'adore Idrissa Barkhane, comme vous savez. Je regarde un peu moins Rémi. Léo aussi, hein. Léo, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait hein, quand il n'est pas parti dans ses délires, mais j'aime beaucoup quand c'est factuel, quand il y a Nicolai, quand il y a également Rudy, j'aime bien Rudy aussi. Nicolai, je les aime bien, hein, c'est une bonne équipe, et puis il y en a d'autres, hein. Il y a Tabi Bian que j'adore, il y a Juste Bistrot, il y a Pouh, celui que j'aime pas c'est Berkoff, lui je le regarde pas, il me saoule, mais j'en oublie très très certainement que je regarde vraiment très fréquemment, il y en a des très très bien, j'adore Mosinor, bon, en ce moment Mosinor n'est pas très très présent. Mais n'empêche que c'est très très intelligent ce que fait Mosinor. Donc écoutez, messieurs, dames, si ça revient, je vous donne d'autres tuyaux. Mais il y en a vraiment beaucoup, je regarde. Et qui font de l'excellent travail. Bon, l'histoire, le passé, comme d'habitude, hein, on rejoue. On rejoue hein, la même chose, hein, comme par le passé. C'est que la thune qui compte. Nous, voilà. Prenons des bouquins et nous allons comprendre beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, c'est vrai que là, ça va réveiller pas mal de choses. Le côté boomerang va certainement nous faire du mal à nous, mais à eux également. Et attention, hein, faisons attention entre l'eau, ici, quand même, et cette atmosphère, avec ce brin d'ADN que je vois, les chemtrails et autres. En tout cas, dans l'atmosphère, dans l'air, il va y avoir ce retour du boomerang qui risque de piquer. Hormis le fait que, bon, bah, on peut rien contre les chemtrails. Et puis, la harpe également, bien sûr. Mais, à un moment donné, quand Gaïa, elle, va décider que ça suffit, retour, machin, à l'envoyeur, ça risque de piquer. C'est déjà ce qui se passe, hein, très certainement. Mais dans le ciel, dans l'atmosphère, cette espèce de pseudo-nettoyage, autant vous dire que... j'ai l'impression que ça va déjà allumer les flammes, moi. Allumer le feu. Écoutez, hein, je pense qu'à un moment donné, quand ils vont tous se prendre le boomerang hein, au niveau de la médecine, du Covid et autres, en espérant encore une fois qu'il n'y aura pas autre chose, voilà quoi. L'effet boomerang va certainement piquer un petit peu quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir, on va pas se raconter tous nos petits soucis, hein, comme disaient les inconnus, mais ça pique, ça pique. Je vais peut-être mettre aussi, là, tiens, je vais prendre ces cartes-là hein, de l'oracle des mots de Kate, cartomancie. Je vais voir ce que ça dit, tiens, ça peut être intéressant de mettre, utiliser ces cartes-là avec le mot après, oh là. Ici, ça nous dit sombre, le soir, la nuit, voilà. Attention quand même, hein, il y a quelque chose de nouveau avec la maladie, j'espère me tromper. Il y a encore quelque chose de bien, bien sombre hein, qui se met en place. Vous voyez, la carte est tombée seule. Je vais les prendre à l'endroit, ça sera mieux. Je la regarde. Hein. Ici. Ouf! Se croire le centre du monde, hein, on parle bien. Oh, il est incontrôlable, mec. Incontrôlable, vous voyez? Et puis regardez là, je vais les prendre, hein, ces deux-là, regardez. Alors je sais pas, le mettre ici, peut-être, là. Oula, cette tempête. Regardez, les éléments qui vont se déchaîner. Alors c'est marrant parce que au-delà de cette histoire de dissolution, bah déjà ça va foutre un bordel sans nom, hein, on va pas se mentir, ça va échauffer les esprits. Il va y avoir un effet boomerang pour nous, mais également
pour eux, parce que entre eux, hein, les rats vont se bouffer, bien entendu, mais attention à l'atmosphère, attention à l'eau, la nuit, le sombre, la maladie, ils vont rebondir, ils iront jusqu'au bout. Vous voyez, Manu est fou, hein, se croire le centre du monde, incroyable. Mais ces éléments là qui se déchaînent ici, vous avez cette tornade, regardez, il n'y a rien derrière, il y a... Oh, c'est, il faut nettoyer, quoi. Hein, Écoutez, messieurs, dames, ça augure rien de bon. Hein. Vraiment, vraiment, cette histoire de dissolution, là, oh, c'est flippant, hein, c'est flippant. Moi, je trouve que là, dans les cartes, c'est de plus en plus perturbant, dans le sens où c'est... Avant, c'était bon, bah, attendez-vous à quelque chose de pas terrible, mais là, on est dedans, quoi. Et on voit que ça pique, hein, on voit que ça pique. Alors, ce qui est marrant, ici, c'est les addictions. Hein. Regardez ça, les bouteilles, les machins, les trucs. Ils sont tous addicts à leur pouvoir, à leur pognon, à leur statut. Ils sont tous dans cette addiction. Tous, à tous les blondes. Ils sont tous là-dedans. Nous, on ne les intéresse absolument pas. Ils veulent garder leur place. Et ils sont totalement hors sol. Ils sont cinglés. Mais croyez-moi bien qu'ils ne veulent rien changer. Et regardez ces avocates. Très jolie cette petite photo ici. De la loi des avocats. Donc, je vais recouvrir avec le mot, bien entendu. Hein. Bien sûr, of course. Et pour ceux qui souhaitent acquérir ce jeu, allez sur la chaîne Kate Cartomancy 2, je crois. Voilà. Il y a un petit mot là-dessus, hein, parce que ça fonctionne comme le jeu de haut, du coup. Très belle idée, hein, d'avoir repris ce concept. Je trouve que c'est une bonne idée. Vraiment. Really? Bien, alors, allez, on va mettre le mot avec celui qui se prend pour le centre du monde et qui est totalement incontrôlable. Ici, ici, et ici. Bien, messieurs, dames, c'est parti. Et c'est parti. Alors, le gars où on ne voit qu'une partie, la partie visible de l'iceberg, bien entendu, il ne tourne que pour le dark. Je me demande si même lui, il ne se prend pas pour le diable, pour le sombre. Mais il est fou. De toute façon, il est fou. On voit que notre démocratie est tellement en danger à cause de ce gars qui se prend pour le centre du monde. Et alors, qui s'adore, hein, il adore ça. En fait, il est dans sa pleine puissance, Manu. Et là, je vais faire attention quand je retourne mes cartes, parce que c'est vrai qu'il y a un ici et là. Mais Manu, lui, il est dans sa pleine puissance. Le rôle qu'il s'est octroyé, le rôle qu'il tient, qu'il a pris et qu'il veut jouer jusqu'à la fin, qu'il veut tenir jusqu'au bout, il adore ça. Il est dingue. Je vous dis, il est incontrôlable, le gars, aujourd'hui. Il est incontrôlable dans ses addictions. Donc, bon, il y a des gens hein, qui vont s'éloigner de tout ça. Hein. Il y a des gens qu'il va éloigner. Hein. Et puis, nous-mêmes, hein, on s'est éloignés de l'histoire. Hein. Mais bon, en tout cas, ça commence à se bouffer dans le navire. Hein. C'est une certitude. Là, on voit quand même, là, ça va créer quand même un raz-de-marée. Hein. Ça crée un raz-de-marée. Et cette perte d'estime. Hein. Ah bah oui. Oui, les gens vont enfin peut-être se rendre compte qu'ils sont fait griller comme des bleus, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, plus le temps passe, et pire ce sera. Hein. Donc, côté... Aïe, ça va devenir le chaos. Hein. Oh my God. Bien. Ici, la nuit sombre, tout est un jeu. Vous voyez, tout est jeu. Jeu. Des jeux sombres. Où il y a la médecine, où il y a ceci, où il y a cela, la chirurgie, il y a... Peut-être même que lui-même, il est... Voilà. Je ne sais pas comment ils font tenir, si c'est le vrai. Parce que vraiment, là, quand j'ai vu hier, rapidement, je me suis dit, ouh. Au fond de moi, je me suis dit, c'est pas le bon. Mais bon, c'est la première fois que ça me le fait à ce point, en tout cas. Hein. Non, d'ailleurs, ça ne l'a jamais fait avant. Et là, je me suis dit, Vraiment, à l'intérieur de moi, c'était, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas lui, vous voyez. Donc, n'empêche que ces jeux sombres... pas fini, hein. C'est pas fini. Il y a des choses qui jouent avec la médecine aussi. Et les médecins, tchè, comme disait Jeanne, tchè,
Je sais pas ce que ça veut dire ce truc, mais ça veut dire tenez, prenez vous ça en pleine tronche parce que vous avez trop joué, quoi. Tout le monde joue trop. Enfin, c'est très très sombre. Hein. Et c'est un jeu, hein. Ils continuent leur plan. Hein. Pour eux, c'est amusant. Ils adorent ça. Hein. Mais même lui, hein, lui, il est fou, ce mec, il est fou, putain. Et là, ça nous dit quoi? Ouais, ce rôle. Coucou à toi, ma compagnie. Ce rôle lui colle à la peau. Hein. C'est. Attention, on a l'atmosphère, on a ce pouce, on a. L'atmosphère est lourde, hein, ça colle, hein, c'est pesant, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas que. Ça parle d'atmosphère dans le sens large, dans le sens figuré, dans le sens. Ouais, c'est chaud hein, quand même, hein, et c'est très très laid. Hein. Bon. Écoutez, là, je pense qu'il n'est pas nécessaire que je continue, messieurs, dames. Hein. Donc. La réponse à qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de dissolution, c'est pas joli joli. Hein. De toute façon, maintenant, ce n'est qu'un jeu. Un jeu très très laid. Il y a bien longtemps que Manu a perdu l'estime de lui-même, qu'il s'est éloigné de lui-même. Mais il adore aujourd'hui. Aujourd'hui, il est incontrôlable parce qu'il se sent comme le centre du monde. Donc voilà, messieurs, dames, méfiez-vous, méfions-nous, parce que cette histoire de dissolution n'est qu'une vaste farce. Et je finirai avec le Koshi qui vient le premier, et c'est celui de l'air. Portez-vous bien, soyez heureux, éclatez-vous au maximum, soyez bienveillants, hein, ça fera du bien, hein, avec tout ce que l'on vit aujourd'hui. Il n'est pas utile de nous bouffer entre nous, vraiment, vraiment. Donc portez-vous bien, soyez heureux, faites des gâteaux, et puis on va y arriver, tout simplement. Et un dernier petit coup avec le Koshi, de l'air cette fois-ci. Voilà, messieurs et mesdames, c'est tout pour moi. C'était Nina. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Et à bientôt.